Wesh les petits potes, regardez, je suis avec Si. Caméra gros, ça fait depuis le Canada que je l'ai pas vu. Tu veux que je te dise un truc? J'ai regardé s'il y en avait pas en vente. Je voulais t'en offrir une, mais putain, y'en a pas! Non, mais y'en aura plus jamais, gros. Bah ouais, je suis plus sanglé. Les gars, on est avec le frérot, on est avec le frérot Inox, parce qu'on va grailler des bonnes viandes aujourd'hui. Et il est pas venu chez moi depuis très longtemps, et t'avais pas vu mon petit barbecue? Je crois que c'est un barbecue de compète. Ça, c'est un bon barbecue, c'est en fait. Déjà, il est lourd. T'as vu? Déjà, il est lourd de ouf. Ratata. Ah ouais. Et c'est quoi le délire en fait? Ça garde en gros, la chaleur ça, et ça ouais, ça maintient. Pas. Ouais, c'est ça maintient. Il va falloir que je le nettoie un petit peu. Hein. Oh, ça maintient la chaleur. J'en ai fait. J'ai fait un de ces barbecues là cette semaine. Pop. Il regarde pas manger. Allez, hop. Arrête, ouais. Allez, hop, ça dégage. Arrête, ouais. Il a une trompe. Attends, il vient de mettre mon chien. On va mettre Mimu au barbecue. Je viens de mettre Mimu au barbecue, wesh. Ouais. Viens, on déballe les viandes ensemble. Parce qu'en fait, les viandes, moi, je les ai pas vues. Elles sont là-dedans. C'est ça? C'est là-dedans. Oh là là là. Le Saint Graal. Ils ont Instagram et tout, les mecs de la viande. La maison Lascours, hein, comme d'habitude, les vrais frérots, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! Oh putain, on a de la. Oh, on a de la barbac, là, mon gars. Mec. Du coup, là, c'est entrecôte wagyu, mon ça, gars. Ça, c'est un os. C'est le gras du wagyu, frère. C'est de la viande de quoi, le wagyu? C'est du bœuf? Bah oui, c'est que du bœuf, là. Hein. Ok. Wagyu, c'est. Oh, ça a l'air. C'est vraiment l'une des meilleures viandes. Ça, ça a l'air incroyable. Hein. C'est quoi, ça? Je sais pas, mais ça a l'air trop bon. Black Angus. Black Angus. Il nous a envoyé plusieurs entrecôtes pour qu'on compare, en fait. C'est bien frais, hein, quand tu touches. Oh, mais elle est moelleuse, frère. Oh. Frère, c'est trop incroyable ça. Et là, nous avons de la Black Pearl. Donc pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à taper du coup Wagyu, Black Angus et Black Pearl pour voir mais un peu l'histoire de la viande. Mais tu te rends compte que ça, les gars, vous pensez que c'est combien de grammes? Tu sais que ça, c'est 500 grammes. On va les démonter. Mec, je te dis, on va les déglinguer. On va les déglinguer. Oh, et du coup, on pourra comparer laquelle. Du coup, il y a Black Angus, Black Pearl, Wagyu. Ça, Mimu. Et tu as de ma vue. Il y a Yuki qui arrive. Ah oui, bah oui, on vous a pas dit en fait. Bah oui, il y a Michou là. J'avoue, il y a pas que c'est Michou là en fait. Parce que voilà, Michou, même chez moi, il est en réunion quoi. Il est en réunion. Mais c'est bon, il y a trois chiens là, c'est un zoo en fait. C'est un zoo. C'est un zoo chez toi là. On va laisser respirer tout ça, on va aller faire les courses parce qu'on veut tuer des frites là. Ah ouais, oh je crois, oh là là. On va aller grailler des frites et tout, des petites frites de maison. Et puis on se retrouve juste après. Les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Nous c'est parti. Créateur Valouze, les gars. Yuki, elle a la dalle, elle a les Yuki, elle a la dalle. Hein. Oh, comment ça donne envie. Mais gros, franchement, tu veux savoir c'est laquelle qui me donne le plus envie? Vas-y. Je pense que c'est celle-là. Bah, c'est parce que c'est celle qui ressemble le plus à celle qu'on ouais, a. Ouais, elle est consistante, hein. Tu vois. Ouais, tandis que celle-là, ouais. C'est... Bah, regarde là, le mec, le gras blanc, frère. Il est blanc de chez blanc. C'est dommage parce que tu vois, en vrai, tu peux manger que ça. Et je me dis, dans mon estomac, ça part vite, ça. En 2-2, on finit. C'est vrai que ça part très très vite. Tu vois ce que je veux dire? Wesh, Yuki, tu m'as... Tu m'énerves. Tu m'énerves. Arrête. On va revenir des courses. Oh, tu devrais pas laisser ça là, gros. Tu penses qu'elle peut sauter dessus? Mais mec, bien sûr. Gros, elle saute archi haut, frère. Genre... Des fois, elle me mange la main, gros, elle saute là. Ah ouais, là, tu crois qu'elle chique les viandes? Je sais pas, genre, frère, on touche pas à mes viandes. Ça dégage une bonne odeur. Je sais pas ce qu'elle peut faire, hein. Je vais les mettre dans mon bureau, du coup. Là, parce que là, on part tous pour faire. Ouais, bah ouais. Ah ouais, bah. T'as vu ces petites viandes, gros? Mec, par contre, les pavés de viande, ils sont... Laquelle te donne le plus envie? Pour voir. Celle-là? Ouais. C'est laquelle? C'est le Black Pearl. Ah ouais? Ça, c'est le Wagyu. Ok. Et ça, c'est Black Angus. En nom, c'est le Wagyu qui me donne le plus envie. Ouais, le Wagyu. Mais comment tu me l'as. C'est ce que tu sais, tu m'avais présenté un peu les viandes. Le Wagyu, c'est celui qui a l'air le plus lourd. Ratata. Mais mec... là, comme ça, la gueule, je préfère celui-là. Bah, c'est la seule que je connais pas. Franchement, j'ai hâte de les goûter. Vas-y, on va faire les courses parce que je commence à avoir la dalle, les gars. Mais les gars, regardez comment c'est improbable. On est allé acheter de quoi faire des frites, puis elle revient avec une machine à barbapapa là. Une secoupe volante, le truc. J'ai trop hâte, ça va être sur ma chaîne YouTube, les amis. N'hésitez pas, le lien en description. Un calçat énorme. Oh, l'autopromo. L'autopromo. Genre, est-ce que là, moi, je l'ai? Hop, on coupe. T'as déjà épluché des patates? Non. Frère, il va mettre un coup de queue à quelqu'un. Et en vrai. Y a un petit talent, Y a un petit bail, hein. Aïe. 100% il troll. Non, il troll, ouais. Par contre, j'imagine il troll pas. Il est vraiment ça va, décédé, gros. Hein. Mais ta gueule, regardez sa tête. Mec, on le sait déjà, on te connaît trop, Inox. On peut faire des frites ondulées. Ah, les mentales. Oh, c'est trop bien. Mes frites, elles sont ondulées. Oh, c'est dinguerie, ça, c'est dinguerie. Tu fais une sorte de rectangle, tu vois. Ouais. Et comme ça, après, t'as des frites parfaites.
Ouais, mais tu... ça, on va ouais, mettre. Mais ça, gros, ça, je fais ça, tu vois. Ah, ouais, c'est des petits frites. Ah, ça fait des frites. Ça sera la parfaite, celle-là. Ouais, là, ça sera la parfaite. Là, tu fais avec ouais. ça. Ouais, regarde. Du coup, tu vas faire des frites ondulées. Genre là, tu fais comme ça. Ouais, regarde. Regarde ma frite. C'était Burger King, ça. C'est Les King, c'était Burger King. Ah, check, check. Mais non, mais Burger King, avant, c'était KFC, KFC. Ah, peut-être. Essaye de couper celle-là. Mais le plus finement possible pour faire les chips. Par contre, on n'a pas fini si on fait ça avec tout. Oh. Mais ça c'est mec, oh mec, elle mec, va être incroyable. Et ça va être ça, la chips. Trop, trop. Ah ouais, ça va être la chips. Viens, on en filme chacun. Mec, c'est regarde. Frère, regarde le frites, ils ont rien à voir. Il y a des ondulés, des pendulés, des eggs plures, pas plures, des chips, des pas chips. Il y a tout type de. Des grosses, des petites. Comment il coupe bien ton couteau. Ah oh, tu m'as fait peur, moi. Oh, comment j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais scindé le doigt. Oh, j'ai trop peur. Putain. Bon, bah, les gars. Ouais. Elles sont bien ou pas? Bon, elle est un peu grosse quand même, hein. Tu trouves? Ouais, un tu petit peu. Tu penses que je devrais les couper? Bah, parce en vrai. C'est meilleur quand c'est gros, genre ça fait. Genre il y a plus de goût, non? Je sais pas. Bah, je sais pas, c'est plus fondant à l'intérieur, mais j'aime pas trop, moi. Ouais, moi. Je préfère quand c'est croustillant. Ça fait purée à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Faut mettre de l'huile dans ça, dans la passoire. Là, mets de l'huile. Sinon, ça marche pas. Il y a déjà de l'huile, je viens de chauffer, gros. Faut juste mettre. Non, faut en mettre là, t'es con ou quoi? Il faut mettre les frites dedans. Non, là, faut mettre de l'huile, là. Mais il est complètement con. Il est fait exprès. Ton pote, il arrache. Mais Michou, prends ça, prends ça. Et elle est là, l'huile. Mais non, c'est dans ça. Mais tu le fais exprès. Il le fait exprès, je crois. Attends, elle a voulu chiquer la viande. Mec, wesh. T'as vraiment jamais fait ça. Elle a chiqué la viande. Elle a mordu la viande. Mais regarde, elle l'a mâchouillée. Non. Mais non. Eh, bah les couilles, je la mange, hein. Elle a bouffé la viande, wesh. Ah non, bah voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es trop. Mais vous rendez fou, les gars. Un troll. Mais tu te fous de notre gueule là. Mais gros, non. Par contre, même un. Allez, même un ado de 18 ans, il te fait la morale. Un ado de 18 ans. Tu parles de moi? De nous deux. Oh là là là. J'ai hâte de goûter les chips, elle est belle. Hein. Elle est belle. Oh, le bac, j'avoue que les frères. Ça, ont l'air incroyables. On a peut-être trop mis, non? Mais ça va pas être. Ouais, je pense qu'on en a trop mis. On a trop mis, non? Bah les couilles. Ah ouais? T'as vu cette vue? Il y a mon petit bac à linge derrière. Oh merde, les chips, ça trompe pas, frère. Tu sais quoi? T'es chargé des frites? Yes! Allez, bah tu. J'ai jamais fait de frites de ma vie, mais je vais gérer. Les gars, je pense que Inox il prend à cœur son rôle. Quoi? Ça va? Il a fond dedans, gros. Bien sûr que ça va! Ça va, toi? Elle a ses régales. Voleuse de Wagyu. Elle l'a chiqué et j'ai vu la truc partir. Imagine, l'entrecôte, elle serait tombée à l'enregistrement. Tu veux saignant? Saignant. Michou, tu veux saignant? Ouais, saignant. Pipi, pipi. Je t'appelle. Pipi. Je t'appelle. Oh non, putain! Il y a une de mer là en fait. Il y a une merde, gros. Il y a une de mer en fait. C'est lâché, gros. Mais t'es sérieux, Inox? Mais Inox, c'est sérieux, on t'a laissé ici 10 minutes, t'as fait mais ça. Mais t'es sérieux, gros? J'ai mal au ventre. On va mettre la première. Écoute ce bruit, gros, t'es prêt? Ça, c'est la Black Pearl. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est le petit bruit qui fait plaisir. Hein. Ah, les deux, c'est Black Pearl? Les deux Black Pearl, on fait là. Ok. Il y a fait 4 minutes. C'est parti, 2 minutes, on compte jusqu'à 2 minutes là. Eh par contre, l'odeur elle est vraiment incroyable. Hein. Magnifique là. Ça sent bien le barbecue. Hein. Mais le barbecue de. Alors qu'elle est pas du tout assaisonnée la viande, il n'y a pas d'huile d'olive, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre. C'est vraiment. Là c'est la viande. C'est qu'il y a de la betterave, hein. Elle a mangé de la betterave. C'est vrai que celle-là elle était élevée à la betterave, on a regardé tout à l'heure, c'était l'origine du Black Pearl. Élevée à la betterave. Betterave, céréales et. Et de l'herbe, la nature, dans les montagnes norvégiennes. Wow. Ça j'adore. On voit plus rien. Oh comment ça sent bon. Attends, mais les gars, c'est attends, j'avoue, même le dessus. Wouah! Wouah! Mais limite, prends la tête. Attends, mais prends la tête. Wouah, gros! Wouah, les flammes, frère, les flammes de l'enfer! C'est une assiette. Ah, mais non, mais tu. Mais je pense qu'elles sont tellement grasses que gros, elles le. Mais attends, comment elle va être incroyable là? Mais gros, elle met une minute là. Tu vois les lignes là, mon gars? Elles sont. Tu les mets sur le. Parfait. Mec, les lignes, c'est là où on devra couper. Oh, comment c'est. Mais j'avoue, il fallait prendre. Ouais, c'est vrai. Incroyable! Mais j'avoue que gros, mais attends, mais. Mec, elle donne trop envie! Mais regarde le gras, gros, j'ai jamais vu un gras comme ça. T'as vu? Mec, coupe pour voir. Mais c'est vrai. Faut attendre un petit peu. T'es posé. Mais attends, mais t'es un pro gros. Eh, Valouche, viens voir la tête des frites. Mec, je suis plus hype par les chips. Allez. Ce trait, c'est mon trait où je coupe. Mais... Oh là là là. Elle est parfaite, la cuisson, gros. Elle est parfaite, gros. Oh, comment c'est ma. Oh là là. Je vois ça, mon zizi se lève là. Oh là 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 là. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est mec, elle est parfaite. La cuisson, elle est parfaite. Vas-y les gars, on va se couper une tranche chacun, une tranche pour Pide. Oh là 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 là. Et on va dégommer ça. C'est il y a pas de sel ni rien. Mec, elle est magnifique, Valouze. Oh, cette tranche. Elle est lourde. J'avoue que la tranche, elle est vraiment lourde. Attends, mais elle est lourde. Vous êtes prêts, les gars? 1, 2, 3. Elle est bonne.
Oh putain. Ah, elle est bonne, hein. Oh, le Black Pearl, c'est validé. Hein. Oh là là. Mais j'arrive pas à croire qu'elle est pas assaisonnée. En étant nature comme ça, elle est succulente. Incroyable. Ouais, elle est bonne. Incroyable. La maison la... Lascours, là. Franchement, la maison Lascours, c'est vraiment des frérots. Il y a un petit peu de sel. De la bonne viande, ça fait trop la différence. Mais t'as vu ça, frère. Wow, mais mec, je vais devenir viandiste. Prends ce morceau-là, j'ai mis du sel, là. Oh là là. Merde. Oh. Y a pas besoin de sauce. Avec hein. la petite note salée. Impressionnant, c'est impressionnant. J'avais jamais goûté cette viande-là. C'est une dinguerie, hein, vraiment. Je regrette pas, gros. Hein. Je regrette pas que ça soit ma préférée. C'est vrai que toi, c'était ta préférée. Ouais, à l'œil, c'était ma préférée. T'as vu, ça fond, gros. Aïe. Non, il casse les couilles. Va bah, t'occuper de tes frites, toi, là-bas. Les frites, ça fond pas magnifique, là. Elle est trop bonne, la viande. Il y en a trois, là. Vas-y, je voulais en prendre qu'une. Elle est peut-être même limite mieux que le Galice. On l'a trop bien cuit, là. Ça brûle de... Wesh, les gars, alors, test de frites. Mais elle est pas croustillante. Montre. Elle est bonne mais elles sont pas croustillantes. Ouais. Ah ouais, elles ont l'air molles. Oh la chips. Oh la chips. Oh non, pas la chips, goûte pas. Vas-y, oh bah, allez. Vas-y, goûte la chips. Elles sont bonnes ou pas? Ou je mets encore? Mets l'huile moins chaude et je vais mettre. Mais elles ont du goût mais elles sont pas croustillantes. Oh là 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 là. Mec, c'est. Oh, c'est une dinguerie. Une des meilleures viandes que j'ai mangées cette année. Hein. Pour te dire. Mec, je mange ça, je suis heureux. Celle-là, c'est mal. Black Angus. Ouais, ça, c'est vraiment des gros. Oh, ça, on dirait de la viande des steaks, gros. Tiens. Oh là là, c'est joli. C'est joli, ces couleurs. Elle est bien rouge, celle-là. Hein. Je vais faire un quadrillage. Oh, ça, c'est lourd, ça. Tu vois, je la prends, hop, je la mets comme ça. Comme ça, on la relaisse une. Voilà. Et comme ça, il y aura un quadrillage vraiment, genre en mode. Alors, Texas. Attends, dégustation de frites. Donc, les frites d'inox. Attends, franchement, elles sont grave bonnes. Je suis un expert en frites. Attends. Hein. Non, c'est chaud, gros. Si, elles sont bonnes. Elles hein. sont bonnes. Elles sont bonnes. Goûte. Mais gros, t'as géré. Franchement, elles sont bonnes. Pas mal. Elles sont bonnes. Ouais, je suis... Franchement, tout à l'heure, tu vois, il manquait un petit truc. Bah, tu les as remis vite. Ça fait un croustillon là. Ouais. Ouais. Voilà, t'as géré. Attention, quadrillage. Est-ce qu'il est dard? Oh. Oh, oh, mais gros, il est parti. Malou, j'ai envie de faire un morpion. Oh, il est encore plus beau celui-là. J'avoue, je vais faire un morpion. J'ai envie de faire un morpion. Et... Mec, j'ai envie de le découper en petits dés. Oh, Mumu, tu vas valider, frérot. Tu vas ah, kiffer. Mumu, là, tu vas oh, kiffer, je vais donner hein. ça à Mumu. Oh, Mumu, tu vas. Oh, ça va, il va se transformer en pitbull. Et Doudou. Il a validé. La Nezo est quadrillée. La Nezo est quadrillée. Il nous restera plus que la Wayou, les gars. Vas-y, coupe la Inox. J'ai trop envie de te voir la couper. Mec, je la coupe trop facilement. Je la coupe trop facilement. Vous êtes prêts? Vas-y. Suspense. J'ai l'eau à la bouche. Oh non, elle est parfaite là. Oh mec, comment ça donne envie, mec. Oh mec, c'est une dinguerie. Hein. Oh, t'es un vrai cuistot, ouais. Frère, mais il, hey, il coupe trop bien hein. Les chips, là ça. Il m'étonne l'inox, hein. Mais c'est quelqu'un de minutieux. Hein. Oh là là, la dinguerie. Mmh, elle est bonne celle-là, elle est encore meilleure, je trouve. Attends, mais c'est ouf comment c'est différent. Ça a pas le même goût. Non, pas celle-là, le même goût. Celle-là, elle est beaucoup plus bah, des viandes qu'on connaît, en fait, j'ai l'impression. C'est vrai, ça a plus le goût qu'on connaît, ouais. Ouais. Elle est plus bombeuse. Moi, je préfère celle-là. C'est vrai. Attends, j'ai goûté l'autre. Elle était où l'autre? Il en restait un peu, non? Elle est bonne, hein. Non, on l'a mangé l'autre. On a pu manger gros. T'aurais été plus incroyable. Judicieux de, tu sais, de comparer. Attends, hein. Avec du sel. Parce que là, on a tout graillé. Dis-moi comme ça. Emma, c'est digne d'un chef-d'œuvre. Ouais, elle reste très très bonne, mais j'ai une préférence pour l'autre, moi déjà. Ouais. L'autre a été plus. Moi je préfère celle-là. Il y avait un goût qu'on n'avait pas l'habitude. Mais quand tu vas dans un resto pour te commander une entrecôte, t'as ça, t'es trop refait, tu sais. Le goût, je préférais celle d'avant. Ouais. Mais la texture, celle-ci. Mais après, les gars, là. Elle reste très très bonne, hein. Ouais, là, les gars, on est sur des On fait les difficiles, là. Bon, on fait des comparaisons, là. Mais tes frites, elles sont trop bonnes, Inox, hein. En vrai. Pourtant, je suis pas frite, hein. Pourtant, je suis pas frite, moi. Tu vois la brigade, je sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais, mais si, à Paris Games Week, gros. Bah, ça me fait penser à la brigade. Ouais, un peu cette viande, ouais, on dirait. Bah, même les frites, hein. On dirait les frites de la brigade. Là, on est en train de faire les brigands, là. C'est un resto où c'est une barquette de frites et au-dessus ils mettent des tranches de viande cuites un peu barbecue. Ah ouais. Ouais, elles sont trop bonnes. Mais ces dernières années là, elle était pas ouf. Ouais, c'est vrai. L'animal, on lui fait honneur. Hein. On lui fait honneur, on le mange jusqu'à ce qu'elle nous pète le bide, hein, aux F. Hein. Eh, Valouz, il coupe, moi je mange. La tête de Dozo, elle m'achève là, en mode comment il dépasse sa tête. Je suis là en fait, moi. Hein. Les gars, je me rends compte que ça doit être ultra frustrant de regarder ce genre de vidéo en vrai. Ouais, mais ça doit parce donner que... envie. De... Moi, quand je la regarde, parce que moi j'étais pas là la dernière fois que vous l'avez fait. Quand je regarde, ça donne trop envie cette merde. Et alors? Ah, ça donne trop envie. Quand j'ai regardé ta vidéo avec Doc et Bouzy, gros, j'étais là avec mes pâtes au beurre, j'étais en mode. Oh les bâtards. Mais là, je goûte vous savez ce que c'est quoi. Et là, on sait ce que c'est, gros.
Oh putain. Oh là là. Attention. Alors là, on est sur vraiment du bœuf d'exception, les gars. Ça, les gars, c'est du bœuf. C'est du... les meilleurs bœufs, un des meilleurs du monde. Bah, techniquement, juste après le Kobe, tu vois. Il saoule. Mmh. Ça sent bon, hein, ça sent les vacances. Mais et les voisins, ils doivent se demander quoi, frère. Oh mec, les voisins, ils doivent péter un plomb. Et dans les commentaires, est-ce que je suis le pire voisin ou le meilleur des voisins? Le meilleur. Ah, le meilleur. Non mais c'est vrai. Moi j'ai un voisin comme ça qui fait des barbecues tous les jours avec une odeur comme ça. Gros, j'ai le seum. Bah oui, t'as le seum. C'est vrai. Bah c'est pour ça. Dans les commentaires, bah à vous de dire. Waouh. Oh attends, on voit plus rien même à la caméra là. Ah, ça m'a brûlé. Allez, bâtard. Putain. Oh, elle est tellement tendre. Oh, l'odeur. Bah, attends, mais mec, elle a l'air de... Je la sens qu'elle est super tendre. Je vais être touché. Mais ça se voit, hein, putain. Oh, allez, maléfique. Téma, comment il est... Oh, la texture. Oh, regarde, rien que je le prends. Oh, oh, quel bail. Quel bail. Oh, oh là là. Il est obligé de chantonner. Faut que je mette une musique là ou... Non, laisse sa voix. Unboxing, mon. Unboxing. Mais gros, regarde-moi ce gras, comment il est spécial. Ouais, c'est un peu en comme un sang. Il est gélatineux, gros. Ouais, un peu comme un sang, genre. Quoi? Tu connais bien? Regarde. Mec, c'est le trait le plus droit mais que j'ai attends, vu. Oh, on dirait une pizza. Oh là 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 là. Mec, c'est on dirait, incroyable. On dirait un bout de pizza là. C'est ancre. On dirait la croûte de la pizza, regarde. C'est ancre. Je la coupe comme ça, gros. On dirait ah ouais. Une pizza. Elle est beaucoup plus tendre que les autres. Hein. Tu penses? Ouais, ça se voit qu'elle est beaucoup plus. On les mange à la main, gros. On les mange à la main, gros. On est rien de plus. Mais y'a rien de mieux que de manger à la main. Encore une fois, les gars. Chin. Sans assaisonnement, c'est parti. Elle m'a caressé la gorge. C'est hyper... C'est la meilleure des meilleures. C'est hyper goûtu. Elle est bonne, hein. On avait déjà goûté du Wagyu, ça avait rien à voir, hein. Là, c'est trop bon, le barbecue, en fait. Ça a le goût de la viande fois 5. C'est une dinguerie, frère. Ouais. C'est une dinguerie. En fait, j'ai l'impression qu'un morceau, on a mangé 5 morceaux. C'est une dingue. Au niveau des saveurs et des... Ça a le goût de la viande, mais en beaucoup plus... Mais est-ce que, en soyant honnête, si on vous aurait mis les 3 morceaux, est-ce que t'aurais pu savoir laquelle était le Wagyu? Enfin, laquelle était Wagyu? Est-ce que la meilleure t'aurais dit que c'est celle-là? Honnêtement? Sans penser que c'est... Parce que là, on a aussi l'influence du c'est le Wagyu, ouais, c'est la meilleure viande. Du coup, peut-être qu'on se dit... Non, mais mec, attends, je regoute un bout. Moi aussi, j'en goûte un. Moi aussi, vas-y, refais un bout. J'ai pas bien goûté, là. Non, mec, c'est la meilleure, y'a pas photo. La première m'avait impressionné, mais celle-là, je retrouve ce qu'il y avait dans la première, mais encore plus... Accentué. Voilà. C'est incroyable. Je suis choqué. Ouais, elle a vraiment un goût magnifique. Mmh. Frère, elle se mâche toute seule. Mais je pense que j'aurais hésité entre la première et celle-là. Ouais, elle ressemble beaucoup. Elle ressemble beaucoup. Ouais, elle ressemble pas mal à la première, mais celle-là est incroyable en vrai. Oh là 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 là. Pas, pas, pas. Et les gars, il va falloir qu'on se bouffe du Kobe ensemble, un de ces quatre. Ah ouais, non, mais faut. Du Kobe. Du bœuf de Kobe, ouais, pour mais qu'on voit un petit Kobe, peu. Mais bœuf de Kobe, c'est. Ouais, mais ouais, cette prochaine fois, ce qu'on fera, on va les mélanger. Et on devra deviner c'est laquelle, tu vois. Ouais, j'avoue. Comme ça, on n'est pas influencé, tu vois. Ouais, j'avoue. Parce que là, on est un peu influencé, on se dit, ouais, c'est la meilleure. Imagine, on dit que la Kobe, c'est pas la meilleure, tu vois. C'est vrai qu'indirectement, tu vois, ça peut. Ouais, ça peut. Dans ton cerveau, c'est sûr, je mais... Ouais, mais les trois étaient. Les gustatives, elles mentent pas, gros. Mais honnêtement, les trois étaient incroyables. Les trois étaient incroyables. Celle du milieu, je. Ouais, Black Angus, moins. J'aimais moins. Ouais. Enfin, j'aimais moins, hein. C'était une putain de viande. Elle était très bonne, mais. Mais elle était moins elle impressionnante. Elle était pas au niveau de la première et la dernière. En fait, c'est comme si j'étais assaisonné, mais elles sont pas assaisonnées. Oui, c'est ça. En fait, t'as pas besoin de faire d'assaisonnement avec ce genre de viande. Hein. Même le gras, il est bon, frère. Je te jure, elle me caresse la gorge. Mais mec, vraiment, c'est du beurre. Gros. C'est ouf. Bon, bah les gars, nous, on va s'occuper de grailler la deuxième, mais en toute délicatesse. Et après, on va lui faire honneur. Les amis, hein. Y a un dessert? Barbapapa. Ah oui, c'est vrai, on va manger des barbapapa. Ça sera sur la chaîne de Pidi, ouais, les gars. Des bisous, les petits potes, merci pour tout. Putain. Les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Pas là, là. C'est dingue. Mec, c'est incroyable. Hein. Vas-y, coupe la deuxième viande. Quand tu fais ça. T'as un goût qui revient dans ton nez, frère. Moi, il est sur ma palette, là. Sur ma palette. Incroyable, gros. C'est des papis, gros. Papis, ouais. Ah ouais, non, mais gros, mais moi, je viens tous les jours si c'est pour manger des trucs comme ça, frère. Le plaisir que c'est de manger une viande. C'est vrai, j'avoue. Tu sais que le manger, je crois, c'est le meilleur truc. Le manger, c'est le début du bonheur. Manger, c'est le bonheur, en fait. C'est la base de la vie. Mais c'est, ouais, c'est la base. Moi, je mange pas, ça sert à rien. Franchement, manger. Si tu manges pas, tu meurs, en fait. Ouais, bah, c'est vrai. Mais manger, c'est incroyable. Manger, je pense, c'est incroyable. Il prend son intonation de mec, genre, en gros, il
est sûr de lui là. En mode, il prend son intonation, en mode, il va dire un truc de ouf. Les gars, je vous dis un truc de ouf en fait là. C'est juste qu'il faut manger dans la vie. Ça rend heureux intellectuellement. Je pense que la meilleure activité de la vie, c'est manger. Ouais, c'est vrai, gros, je crois que c'est ça. Hein. Mec, c'est moi, je vis pour manger, gros. Hein. Ah, regarde là, regarde quand je vais couper, regarde. Et là, je viens de péter un coup. Oh là, regarde-moi ça, gros. Oh là, regarde. Comme d'habitude, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, les gars.